Ouais. C'est une honte. C'est honteux. C'est honteux. Bah, ça a l'air mieux, non? Ça a l'air mieux, non, là? C'est honteux. Putain, je craque complet, j'ai trop envie de jouer. J'ai passé, alors, pour la petite histoire, j'ai passé l'après-midi à reconfigurer tout mon OBS pour avoir les mêmes étiquettes que John. Et d'ailleurs, je remercie John. Yo, poète, comment ça va? Bon, ça marche. Moi, j'ai l'impression que ça marche bien, ouais, ça marche bien. Je remercie John énormément pour tout ce qu'il a fait pour pour la chaîne, là, les petits logos, les petites animations et tout. C'est trop, trop top. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, il n'y a pas grand monde encore. Il n'y a pas grand monde, mais je pense qu'on va commencer parce qu'en fait, j'ai trop envie de jouer. Et même s'il n'y a pas de joueurs, je jouerai quand même. Je suis trop chaud. Alors, comment ça va se passer? Est-ce que déjà le son n'est pas trop fort? Parce que moi, j'ai baissé un peu. Comment ça va se passer ce soir? Alors, vous savez que Demon's Souls, c'est un jeu qui va être pas évident. Même si j'ai fait tous les Dark Souls, je pense que vu que c'est un peu le papa des Dark Souls, je pense que c'est. Alors, il y a deux options. Soit c'est plus simple parce que j'ai l'habitude de jouer à ce genre de jeu, ou soit ça va être encore plus dur parce que à l'époque, c'est un jeu un peu old school. Et du coup, les mecs se sont lâchés avant de sortir Dark Souls. Et du coup, Dark Souls, c'est genre un peu l'épisode. Comment dire, un peu tout public. Donc il y a moins que ce soit ça, ouais. Un peu fort la musique encore. Hop. Donc voilà. Et comment ça va se passer? Alors déjà, il y a un compteur de mort. Il va y avoir un compteur de mort ce soir. Et il va y avoir un petit twist parce que je vais me mettre un peu des pénalités. Toutes les 10 morts. C'est-à-dire que dès que j'arrive à 10 morts, on va lancer la roue de l'enfer. Alors j'ai pas eu trop d'idées parce que j'y ai pensé cet après-midi. En fait, je vais lancer la roue et je vais avoir un malus pendant 10 minutes. Alors il y a 3 malus différents. Il y a le naked, c'est-à-dire que je suis obligé pendant 10 minutes de jouer à poil. Alors, pas IRL bien sûr, mais dans le jeu. C'est Gotaga, ouais, c'est ça. Naked, c'est-à-dire que j'enlève toutes mes armures et tout. Il y a le no block. Donc pendant 10 minutes, je ne peux que faire qu'esquiver, j'ai pas le droit de parer les coups. Et il y a le no heal, où pendant 10 minutes, j'ai pas le droit de me heal. Donc clairement, pour moi, le plus dur, ça va être le no heal, je pense. Sachant que, pendant 10 minutes... Hello, Vidangeo, ça va? Sachant que pendant 10 minutes, si je réatteins encore 10 morts, si dans, on va encore relancer la roue. Donc typiquement, on peut stacker les malus. Donc je peux très bien pendant 10 minutes ne plus avoir le droit d'avoir utilisé mon heal, ne plus pouvoir bloquer et en jouant à poil. Donc ça c'est la roue des malus qui va s'appliquer tous les 10 morts, je rappelle. J'ai pas eu d'autres idées, j'aurais bien voulu en faire plus, mais je voulais faire des challenges qui soient, enfin pas faciles mais qui soient réalisables. Parce que si c'est genre je fais le challenge, tu joues avec tout le volant de ta voiture ou tu joues avec les yeux fermés, enfin c'est sûr et certain que je vais cumuler tous les malus, quoi. Ça va être l'enfer. Du coup, j'ai trouvé ces 3 malus pour l'ensemble. On va pouvoir en rajouter. Ouais, c'est déjà un bon départ, ouais, je pense, pour une première roue. Sachant que je connais pas du tout le jeu. Je déclenche la roue au bout de 10 morts. Donc, toutes les 10 morts, je déclenche la roue. Donc, en fait, ce qui va être compliqué, c'est pendant les boss. Parce que si je tombe sur un boss qui est coriace, ça va être compliqué, quoi. C'est-à-dire que si je meurs 10 fois d'affilée, je lance la roue. Et si je remords derrière 10 fois d'affilée, je relance encore la roue, quoi. Mais il y a le compteur de mort qui est affiché. Il va y avoir le compteur de mort qui sera affiché. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Et bien sûr, on va lancer tout de suite un petit pari. Qui va se concentrer sur juste les first rides de boss. Donc on va faire un premier pari. Alors, comment on fait les paris déjà? Tac. On va faire un premier pari sur est-ce que je vais réussir à first try le premier boss. Alors juste pour info, ça fait une semaine que je joue à Sekiro. Et j'ai quasiment fini le jeu. Sachant que je l'ai relancé la semaine dernière. Après, j'avais déjà joué il y a longtemps. C'est vrai. J'avais joué il y a longtemps. Mais
Voilà, je suis en... ce que je veux dire, c'est... voilà, ce que je veux dire par là, c'est que je suis en forme, quoi. Je me remets pas dans un Dark Souls-like d'un coup comme ça, quoi. Alors, c'est pas les sondages. Comment c'est une prédiction? Est-ce que t'as le droit d'attendre 10 minutes à la base pour faire disparaître le malus? Non, mais non. T'es fou, quoi. Alors, gérer la prédiction. Tac. John fera-t-il top 1 ce midi? Est-ce que John a réussi à faire un top 1 en fait? Joris va-t-il first trial le prochain boss? Sachant que je ne connais pas du tout le jeu, hein. Je me suis fait que très peu spoil. Que très peu spoil en regardant les streams, mais vraiment, enfin, je connais aucun boss. Je pense que le boss que je connais plus, c'est le... Enfin, c'est celui-là des vidéos qu'on voyait il y a 2-3 ans, il y a un gros monstre avec un marteau, mais je sais même pas quand est-ce qu'il arrive, quoi. Ok, let's go. Hello, frérot. Je m'y connais bien en prédiction, c'est un peu... Bah, écoute... Ouais, voilà. C'est vrai que... Moi, je connais pas le jeu non plus, hein. Je peux pas vous influencer, mais voilà, je vous ai dit que j'étais en forme. Mais bon, ça veut rien dire, hein, si... Franchement, ça veut rien dire, hein. Si le boss, il arrive et qu'il me met un coup et qu'il me tue un coup, voilà, hein, c'est fini, hein. Non, il a pas fait top 1. Bah ouais, c'est sûr, il a pas le niveau, hein, il a pas le niveau. Alors ce soir, c'est Demon's Souls, c'est le papa de Dark Souls, frérot. En gros, le principe, je te réexplique juste vite fait les règles. Il y a la petite roue que tu vois ici, que je vais lancer tous les 10 morts. Donc dès que j'ai 10 morts, je lance la roue et je vais m'appliquer un malus pendant 10 minutes. Il y a 3 malus, Naked, qui est de faire le jeu sans armure. No Block, qui m'interdit de bloquer les coups, je peux faire que des esquives. Et No Heal, qui est le plus compliqué, où j'ai pas le droit de me heal. Sachant que c'est tous les 10 morts, donc si pendant ce laps de temps de 10 minutes je remeurs encore 10 fois, on rajoute encore un malus. I'm all in, bien sûr, putain les gars, ça... vraiment, c'est que je commence à avoir la pression là. Alors attendez, parce que où est-ce que je vois les 2,6K contre... Et j'ai pas vu le reste. Et j'ai pas vu le reste. Mais pourquoi? Bah parce que c'est la beauté du challenge. C'est la beauté du challenge. Écoutez, je pense qu'on s'est tout dit. Ah, attends, je me mets. Tac. On va faire juste un peu des tests de son parce que là c'est la première fois que j'ai un setup comme ça avec hors de mon PC, donc on va voir si au niveau du son c'est bien, quoi. Alors déjà, est-ce que la PlayStation 5 marche? Qui est cette manette? Ok. Tu vas avaler tous mes canapes, point. Niveau du son, on est comment? On a l'air pas mal, hein. On a l'air pas mal. Le petit compteur des morts que vous voyez en bas à gauche. En droite, en fait. À gauche de ma cam. Je suis comme un fou, hein. Je vous dis, je suis comme un fou, hein. Je suis beaucoup trop chaud. Ça va être trop bien. C'est trop bien. Ah, il se fout de ma gueule. Installation impossible. Il me le dit maintenant, après que j'ai installé le jeu. J'entends la PS5 qui est en train de chauffer à côté. Ce qui est bien, c'est que j'ai pas besoin de mettre le radiateur là. 2,6K contre 5,8K quand même. Français. HDR disponible, tac tac, ça me paraît bien. Langue des voix français, sous-titres. Oui, on met les sous-titres, histoire d'avoir un peu de lore. Arrière-plan des sous-titres, je sais pas ce que ça veut dire, je mets. On the first day! J'espère qu'on va avoir encore une histoire bien dagueur. L'âme reçut une âme et la clairvoyance. Oh putain, ça c'est du Dark Souls. Salut Jean! Oh shit! Ok, je coupe ça. Putain, c'est beau, hein.
Ça, c'est ma première mort. Putain, merci Jean. Merci Jean de ta confiance. J'espère que c'est pas le dragon le premier boss. Salut Lola. Je suis en train de m'éclater les oreilles, j'ai le son à fond. Ça va être incroyable, ça va être incroyable. La prédiction court déjà. Oui, elle est toujours en cours. Hein. Yo John! Yo John, alors un petit rappel pour ceux qui viennent d'arriver, enfin pas du tout rappel du coup, juste pour vous expliquer, il y a un compteur de morts qui est affiché en bas, au bout de 10 morts, on sort la roue des malus et on va tirer au hasard un des 3 malus qui sont affichés sur la roue. Donc pour rappel, naked, ça veut dire que j'enlève, alors oui pardon, les malus seront effectifs pendant 10 minutes, naked qui est de, je joue sans armure, donc complètement à poil. Pas IRL bien sûr. No block qui fait que je ne bloque pas du tout les attaques, mais je ne fais que les esquiver du coup. Et no heal où j'ai pas le droit de me heal pendant 10 minutes. Donc ça va être l'enfer. On peut changer la prédiction. Alors si c'est le dragon, ouais. Si c'est le dragon par contre. Désolé. Hop 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 hop. Qu'est-ce qu'il fait le jeu? Alors attendez, parce que du coup le jeu se. Ok. Ok, Demon's Souls. Nouvelle partie, paramètres. Je veux juste regarder un truc. Mode visuel performance, cinématique. Non, performance, comme ça on a du fast 60 fps. All the long. Nouvelle partie, bien sûr, ici. Pas. Non, alors continue hors ligne, on s'en fout. Ici, bien sûr, pas de sélection de difficulté. Hein. C'est, tu prends ce qu'on te donne. Alors, je voulais jouer à un mec un peu bourrin pour cette partie. Je suis en train de relire Berserk et j'ai envie de me faire un mec avec full espadon. Nom du joueur. Jojo. Classique. Classe. On va se prendre. Alors qu'est-ce qu'on a? Vitalité, intelligence, endurance, force, etc. Putain, c'est Dark Souls. On y est, c'est Dark Souls. On y est, hein. Là on peut pas le nier. Et oui, il y a une roue, John. Putain, merci Steph qui croit en moi. En espadon, ça pue les pieds, on a l'air d'un con. En espadon. Soldat, il a plus de quoi. Y a pas le mendiant comme dans Dark Souls. Barbare, vitalité 15. Nous ce qu'on va vouloir c'est vitalité, endurance et force. Attendez, c'est qui a la plus grosse arme? Ah, le chevalier, il est classe. Hein. 10 de vitalité, endurance, 11, 14. Ah, j'ai bien envie de prendre le barbare pour commencer. Avec son gros gourdin. Personne provenant d'une civilisation primitive, sa puissance inaltérée, sa santé imposante, compense son équipement rudimentaire. Manie une puissante massue. Yo, mauvaise herbe! Yo la Bretonie, bien sûr. Qu'est-ce qu'on se fait? On peut se faire soldat, chevalier, chasseur, c'est négatif, prêtre, on s'en fout, magicien, on s'en fout, rôdeur, on s'en fout, barbare, voleur, on s'en fout, chevalier du temple, il a une belle armure quand même. Il a une belle armure. Ah, t'es en vacances? Ah, mais oui, c'est vrai, c'était la semaine de vacances depuis je sais pas combien d'années là. Bon, barbare. Après barbare, je suis quasiment à poil, hein, donc on commence à se mettre des bâtons dans les roues, quoi. Après, je sais pas, le chevalier, je le trouve classe. Hein. Il a pas beaucoup de vie.
Chevalier, il a 10 en vitalité, 11 en endurance, 14 en force. Soldat, il a 14 en vitalité, 12 en... Ouais, soldat, c'est plus que vers quoi je veux aller, en fait. Parce que magie et foi, ils ont déjà maximisé ça, je m'en fous, quoi. Non, prêtre, non. Prêtre, c'est... Ah, remarque, vitalité, endurance, force. En fait, c'est la foi. Il a beaucoup de foi, en fait. Donc, je m'en fous un peu. Alors que le barbare, il a exactement ce que je veux, quoi. Il a 15 vitalité. Mais après, c'est un peu le mode facile, le barbare, quoi. On commence pile poil avec les stats qu'on veut. C'est quoi, famille royale? Putain, le chevalier, il est... En fait, en vrai, le chevalier, je le trouve stylé. Il a pas beaucoup de vitalité, hein. Il a que 10. Je pense que je vais faire ça. Allez. Barbare ou chevalier? Barbare, je commence bien, quoi. 15 de vitalité, 13 en force, 15 en endurance, ça va taper cash, hein. Barbare. Chevalier, on a deux barbares, un chevalier. Chevalier classe. Ouais, j'hésite. Parce que... Barbare. Allez, ouais, barbare, allez. Bombe incendiaire, c'est quoi ça? Ah, c'est les objets de départ. Au guide de conseil, Pierre qui émet une lumière directrice. Osef, gelé d'herbe, restaure un peu de PV à l'utilisateur. Élixir, augmente temporairement le taux de récupération d'énergie. Osef, restaure un peu des PM de l'utilisateur. Osef, anneau providentiel, augmente les chances de découvrir des objets. Kunai, arme de lancer empoisonnée. Bombe incendiaire, reste d'âme, flèche de feu. Ah bah on va prendre la bombe. Bon, on va pas faire un personnage. On va prendre un mec prédéfini. Putain, il est stylé lui. Putain, c'est très très joli, hein. T'es de qui là, quoi? Allez, Shaifi. Putain, c'est très très joli les visages, hein. Ah, il est stylé lui. Ouais, un petit Conan, ouais. Ouais, c'est la P1-5 en vrai, ouais. Cheveux roses, STP. Oh, ok. Ah, attends. Lui, il est déjà tout rose, hein. Ah oui, c'est dark, quoi. On peut se faire lui avec les cheveux roses. Hop, couleur. Attends, mais pourquoi? Ah oui, voilà. Magnifique. Regardez comme il est beau. Ah là. Je l'ai eu grâce à Nico qui a réussi à avoir un plan pour l'avoir pour une semaine. Je l'ai pas pour longtemps, donc c'est pour ça que je le ponce pendant mes vacances. Putain, il est stylé lui, hein. Attendez, la beubare aussi. On fait la beubare. La plus grosse beubare qu'on peut faire. Attendez, mais y'a que ça comme beubare? Non, c'est bien ça. Couleur. Allez, les potards à fond. Full rose. Voilà. Très très bien, très très joli. Très très joli, hein. Salut Super Caillou. Ok, nickel ça, il est stylé, hein. C'est pas trop sombre, ou c'était ton écran à moi quand je regarde le stream, j'ai l'impression que c'est sombre. Allez les gars, parce que là il faut y aller, hein. Moi j'en peux plus, hein. Le roi Alante XII, en canalisant le pouvoir des âmes, offrit au royaume du nord de Boletaria une prospérité sans précédent. Du moins, jusqu'à ce qu'un brouillard funeste balaye les terres. Boletaria fut coupée du monde extérieur
Et ceux qui osèrent pénétrer dans le brouillard ne revinrent jamais. Mais Valar Fax, des crocs du Gémeaux, se libéra du brouillard et informa le monde du sort de Boletaria. Il dit que le roi Allant avait éveillé l'ancien, monstre terrifiant niché sous le Nexus, de son sommeil éternel, et qu'un brouillard funeste était apparu, libérant de terribles démons. Comme par hasard. Les derniers chassèrent les hommes et prirent leur âme. Ceux qui perdirent leur âme perdirent aussi l'esprit. Ils attaquèrent ceux qui restaient, et le chaos régna. Valar Fax parla aussi du pouvoir enivrant des âmes de démons. Chaque fois qu'un démon volait une âme, la sienne était renforcée par la force vitale volée. Et le pouvoir d'une âme de démon mature dépasse l'imagination. La légende se répandit vite. De grands guerriers, attirés par les perspectives, bravèrent la faille pour atteindre ces terres maudites. Mais aucun ne revint. Sauf un. Bjorg, des crocs du Gémeaux. Yert, le silencieux. Saint-Urbain. Yert. Skirvir, le vagabond. J'ai l'impression que ça va être que des boss, ça. La sixième Saint-Astrée et son chevalier Garl Vinland. Ouais, ça va être que des boss. Le sage Freck, le clairvoyant. Le brouillard funeste franchit peu à peu les frontières de Boletaria. L'humanité fait face à une lente extinction. Le brouillard engloutira bientôt toutes les terres alentour. Mais il reste un espoir à Boletaria, une âme courageuse qui a bravé le brouillard. C'est moi! Pourra-t-elle sauver ses terres? Ou sera-t-elle l'esclave des démons? Ça fait technoparade, ouais, c'est ça. C'est le viking technoparade. Ouais, exactement. Sombre perspective. Sombre perspective. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais? Ah, attendez. Je vous guiderai jusqu'à la faille. C'est qui le boss? C'est moi. Ainsi vous replongerez l'ancien dans son sommeil. Ah oui, j'ai testé un peu la manette cet après-midi là. Les retours synaptiques, je sais pas quoi là, les vibrations, bah c'est très très chouette. Et le putain la vache, qu'est-ce que c'est beau. Et les gâchettes qui donnent de la résistance, c'est très très cool. Avec mon gros gourdin. Ok, parade, protection. Ok, parade. Coup. Ah, qui est Stéphane, toi? Ok. Coup puissant. Très bien. Ok. Roulade. On y est. Utilisation du soin que je voulais pas faire, très bien, c'est X. Ah, gourdin à deux mains. Gourdin à deux mains, putain c'est classe hein. Oh. Sur PS5. C'est sur PS5. Je le ken. Regardez comme il est beau. Putain c'est... C'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe. Non, je l'ai pas chopé, c'est Nico qui a réussi à me la prêter pour une semaine. Alors là, on est clairement sur du Dark Souls, donc il y a des messages au sol. Garde, très bien, ouais, bon ça... On serait douté. Je pense que le jeu va me plaire, mais je pense que j'aurai aucune surprise. Alors, bien sûr, hein, quand j'ai l'arme à deux mains, zéro bouclier. T'as assez sombre. Hein. C'est très sombre. Hein. Hop, quand on arrive dans une pièce, toujours le bouclier. Putain, c'est tellement fluide.
Ok. L'endurance. On surveille toujours la barre d'endurance. Ah ok, ça se pète pas ça. On peut pas sauter? Y'a pas de saut. Ah non, attends. Dans Dark Souls, j'ai des sauts, c'est très compliqué. Putain, c'est des grosses patates de forain. Ok, là on est Keblo. Je sens que le boss arrive. Hein. Généralement, dans le genre de jeu, t'as un boss dès le départ. Vous le voyez pas, mais je suis pas bien. Ok. Let's go, les gars. Putain, mais c'est trop bizarre. On dirait que je suis en train de jouer une cinématique. C'est super fluide, c'est ouf. Ah, premier loot. Alors, examinez le corps. X. Putain, j'ai pris mon soin. Ah bah c'est bon, je l'ai récupéré. Super. Allez, patate de forain, mode activé. Putain, qu'est-ce que c'est cool. C'est beau. JPP. JPP. Ah putain, on va pouvoir tout découvrir. Herbe du croissant de lune x 3. Putain, d'accord, il donne pas mal de... Il donne pas mal de heal. C'est fermé. Là, il y a un chemin là-bas. Comment je descends? Attends, lire le message. Ah, maintenez L et... Alors, orienter L et maintenir rond pour sauter par-dessus les balustrades. Ah! Ah! Ok, pas mal! Mais qui se réjouit de ça, tu sais? Pas mal, on peut sauter. Très bien. Alors, déjà, pas en arrière. Oula, ouais, ça je connais. Par contre, c'est pas Sekiro, hein. Putain, la. Il est lent comme pas possible. Hein. Toujours bouclier quand on rentre dans une salle. Là, c'est fermé. Ouais. Let's go, les gars. Bien sûr, on pète tout. Classique. Attends, allez, je vais tester la parade, tiens. Pour voir si c'est comme Dark Souls. Viens, mon pote. Oh, la parade! Oh oui! On connaît les bails! Alors, qu'est-ce que c'est? Oh, oh! C'est le feu! Oh, c'est trop bon! C'est trop bon! Bordel, j'ai plus de prime, je me tape une pub! Eh, bienvenue chez quoi, Pécanap? Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis TP? Oh god. Je meurs quand? Bah je sais pas. Je sais pas. Bientôt je pense, hein. Enfin j'espère. Qu'est-ce que c'est ça? Ça... Putain, la physique est chouette, hein. Ouais, ça, c'est très très cool, Vince. Après, si tu veux tester, hein, y a Dark Souls 3 hein, sur PC. Hein. Là, je vais pas escalader la balustrade. Hein. Ok, y'a Jackie. On va tenter la parade sur Jackie. Ok, peut-être la première mort. Ok, plus d'endurance. Ok, ça va vite. Plus d'endurance. Plus attention, plus d'endurance. Hein. Plus d'endurance, c'est stunlock direct. Ouf. Toi mon pote. Je vais pas t'affronter dans le couloir. Hein. Allez, viens ici. Ok. Ok. Endurance. Putain, je te mets des tatanes mon pote. Je te mets des tatanes. Prendre l'arme à une main à deux mains. Please. Please. Allez, on se tente la parade sur lui. Alors parade, c'est ce bouton là. C'est R2. Et en fait quand il fait un coup, tu fais ça et ça le stun. Ok, marche pas.
Alors est-ce que c'est le timing qui est mauvais ou est-ce qu'on peut pas les parer? Oh oui, ça part. Magnifique animation. J'ai pas eu l'alerte. T'as pas eu l'alerte? Ah attends. Pourquoi y'a pas eu l'alerte? Merde. Vas-y, test. Normalement, c'est bon, là. Ok. Escalier. Oh putain, comme c'est chouette. Là, il y a une porte. Ah non, c'est fermé. Changer d'arme. Allô, c'est chien. Mais on n'entend pas le son. Vous avez le son ou pas, vous? Ah, vous l'avez? Ah, bah nickel, super. Bah merci, John, pour l'abonnement. J'ai pas le son du retour PC, en fait. On peut aller par là. Ah, bah lui, qu'est-ce qu'il fait là? Du loot. Ah, donc les herbes, c'est vraiment le soin, quoi. Âme du soldat inconnu, donc ça doit être l'expérience. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un peut subguide 100x100 pour tester les alertes? Qui est bâtard. Ouais, si j'ai pas le son, ça va être compliqué à avoir les follow. Hein. Je sais pas pourquoi. Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ah! Alors, ça dans Dark Souls, quand t'as une porte comme ça, c'est qu'il y a quasiment un boss derrière. Ah, je peux sauter là. Ok, y'a rien. Pas de boss. Ok, pas de boss. Petit soin. Alors on a quoi là? On a du loot. Herbe de la demi-lune. Toujours zéro mort, hein. A tout à l'heure, John. Ah, John, si c'est toi, je partirai pas maintenant. Si c'est toi, je partirai pas maintenant. Oh shit, là. Ok, ça commence. Oh putain. Et c'est la première mort, les amis. La première mort. Putain. Ça commence. Ok, plus que 9 avant le malus. Oh shit! C'était pas un vrai boss en fait. Que force soit accordée pour que le monde soit purifié. Ah, je suis trop deg. Non, pour moi c'était un boss hein. Pour moi c'était un boss, j'ai perdu le premier boss. Bah, je pense que tu peux le faire. Hein. Voici le Nexus. Il maintient l'unité des terres du nord de Boletaria. Je sais pas si c'est vraiment un premier boss ou pas en fait, ou si c'était vraiment censé mourir. Quitter, mais les 5 archipierres vous mèneront à l'extérieur. Je propose qu'on garde encore le. Vous avez péri, votre âme est emprisonnée dans le Nexus. Vous ne pouvez pas vous en échapper. Je propose qu'on garde le pari encore. En capturant des âmes de démons, quoi. Ok. Ah, vous avez franchi la faille.
Vous êtes là pour les âmes? Ou pour sauver cette contrée et entrer dans la légende? Vous chassez les démons? Testez une archipierre. Filez. C'est pour ça que vous êtes ici. Dans cette maudite Boletaria. Ok. Il y a du monde là. Une nouvelle tête. Ah, c'est un forgeron. Je suis Baldwin. C'est simple. En échange, vous aurez. Avec vos armes, je gagnerai ma vie. Et avec mes armes, Vous défendrez la vôtre. Vous défendrez la vôtre. Alors, réparer équipement, améliorer une arme. Ok, j'ai pas d'âme. Acheter un objet. Est-ce que vous avez. Vous avez pas de d'espadon hein je ne donne pas cher de votre... Lui, c'est qui ce. Je suis Thomas, le magasinier. Ah, c'est Thomas. Le jour du fléau, je ne sais pas ce qui s'est passé. À mon réveil, je me trouvais ici, dans le Nexus. Je n'ai pas l'étoffe d'un combattant. Tout ce que je peux faire, c'est venir en aide à vous tous. J'allégerai volontiers votre fardeau et veillerai sur... Ah, d'accord, donc lui, il gère ma réserve. Très bien. Je vous souhaite bonne chance. Merci bien. Qu'est-ce qu'on se fait là, du coup? Mais que faites-vous donc? Pas question de me laisser... Attendez, mais j'ai pas fait exprès, hein, j'ai rien fait, mec. Vous êtes là pour les... Ok, oui, ça, il s'est énervé, le mec. Ok, alors ça, c'est quoi? Ça, je peux rien faire. Putain, c'est classe, hein. Il m'a dit d'aller sur la pierre, là, non? Toucher l'archipierre du petit roi. Rejoindre l'archipierre, palais de Boletaria. Un imposant château de pierre en plein cœur du royaume nordique de Boletaria. Les soldats affamés dont les âmes ont été volées par les démons attaquent les intrus et de terribles dragons ont établi leur repère ici. Let's go. Putain. Il y en a plein le bec, quoi. Let's go. Il y en a plein le bec. Bon, lui, j'espère qu'on va pas le revoir d'aussitôt. Hein. Porte de Boletaria. Ok. Ok. Putain, c'est classe. Putain que c'est classe. Toujours aller en arrière, bien sûr, hein, quand on commence un jeu. Il y a toujours du loot qui est caché. Voilà. Ah putain, j'ai pris du soin, je suis encore. Herbe de lune et descendante. Attendez, parce que du coup, j'ai. Attends, d'accord, ok, j'ai plus. J'ai la moitié de ma vie là. J'ai ma vie qui est montée à moitié. Je sais pas pourquoi. On peut voir un peu les équipements. Donc là, j'ai mes trucs, armure. Inventaire, donc croissant de lune, ça restaure un peu de PV. Herbe de demi-lune, ça restaure quelques PV. Herbe de lune descendante restaure un grand nombre de PV. Lien au Nexus libère les âmes et renvoie au Nexus. Ah ok. Reste d'âme attire ceux qui ont soif d'âme. Ok. Et ma petite bombe de départ. Statue. Tendance des mondes. Ah, j'avais entendu parler de ça. Je sais pas ce que c'est tendance des mondes. Personnage. Ok. Bon. Je sais pas. Ok, le TP. Ah, j'ai encore trompé de bouton. Fait mal lui. Le problème c'est que j'ai vraiment que la moitié de ma vie quoi. On va jouer safe. Arme de soldat inconnu.
C'est dégueulasse. Encore un cachet. Hop, lui qu'est-ce qu'il veut? Ok. Là, il y a un mec avec une épée. En feu? Ah ouais, très bien. Il faut essayer de one-shot lui. Ok. Oh la patate! Térébenthine! Qu'est-ce que de la térébenthine? Ouais, je mets quand même des sacrées patates. Hein. Bombe incendiaire, ça c'est bon ça. Térébenthine, c'est quoi la térébenthine? Enflamme l'arme dans la main droite. Ah, ok. Donc c'est un consommable qui permet d'enflammer l'arme. Là c'est fermé. Les portes sont tout. On peut ouvrir les portes ou pas? Non. Fermé. Ah putain. J'ai pas d'art contre. Faut que j'aggro les autres. Allez venez pépé. Let's go les gars. Allez on y va. Il a la grosse patate. Aou. Putain, je suis obligé de me heal à chaque fois quoi. Je sais pas comment ça se fait que j'ai la moitié de ma vie. C'est ça, Freehox. Venez les petits. Toi mon pote. Tac, hop, dans la cheboue. Herbe de la demi-lune. Putain, mais j'ai plein de heal. C'est trop bien en fait. C'est ça. Mais d'avis que je suis pas chaud d'y aller. Mais on se rappelle qu'il y a un trou ici. Toujours rentrer avec le bouclier. Qui est plus d'endurance. On attend un peu, on frappe. Toujours rentrer avec le bouclier dans une pièce. Hop, il s'excite. Et là, c'est parti. Ok. Leurs lits sont pérables. Là, il y a du loot. Bombe incendiaire, très bien. Waouh. Stylé. Stylé la petite. La petite église là-haut. Très très cool. Ok. Ok. En haut y'a un mec non? Oh y'a un mec. Oh le bâtard. Et d'où tu me lances des grenades toi? Âme de soldat inconnu. Alors ça je pense qu'il faut que je les utilise pour récupérer les XP. Oh, brise armure. Ah, première arme. Alors, elle fait moins de dégâts. Alors, c'est quoi les stats? Moins de dégâts, je sais pas ce que c'est le 40 là. On va garder le gourdin. Objectif, espadon. 60 FPS, mine de rien, ça change pas mal. Ouais, c'est stylé. Ça rend bien le stream? Ouais, c'est trop bien, ok. Trop trop bien. J'aimerais trop regagner la vie qui manque là. Il balance ça lui. Plus d'endurance. Ok. Alors ça. Oh. D'où ça sort?
C'est ce game, je dis putain, ça pue. Et effectivement. Oh putain, il y a du monde. Ah oui, il est là, ce bâtard. Est-ce que j'ai ça aggro ou pas? Putain, mais je sais pas du tout aggro. Allez, venez. Non, c'est une mauvaise idée. Voilà. Waouh! Ok. Ouf. Ok, on se soigne. Lui, on chope. Ok, y'a pas de loot, pas de loot. Y'a le mec là toujours là-haut qui nous tire dessus. Y'en a un là-haut, ce serait bien de l'aggro. Oh, il lance des trucs en plus. Oh, j'ai trop envie d'y aller là. Comment je fais pour y aller? Alors attendez, parce que du coup, y'a deux mecs là-haut. Attendez, bon, je vais d'abord essayer de tuer les mecs. Je peux pas les tuer, les mecs? Alors je peux me protéger avec mon arme, comme ça. Mais logiquement ça doit faire des. Ça doit l'abîmer et après il faut que je la répare. Et en plus ça me protège pas aussi bien qu'un bouclier. Y a du loot là. Hein. À mon avis je pense que je pourrais y aller après. Ouais parce que lui je peux pas y aller. Non, je peux pas y aller, laisse tomber, je me casse. Je peux rien faire. La demi-barre, c'est en quelle occasion? Ben je sais pas. C'est parce que je suis mort apparemment que je suis retourné au Nexus. Mais j'ai vraiment pas plus d'infos que ça. Ah oui, on remonte, c'est bon. Ok. Le bâtard. La grenade est pour portant, bien sûr. Hein. Lui, il a rien. Alors, normalement, il y a lui en face là-bas que je peux pas choper. Et là, je peux y aller au loot ou pas là? J'ai envie d'aller au loot. Herbe de demi-lune. Putain, on loot que des soins en fait. Comment on fait pour y aller là? Ah, moi par là? Non. Non, je sais pas comment on fait pour y aller. En sautant? Ah, on va une roulade? Non. Non, bah écoutez. On laisse nos bétons. On laisse béton. Allez, on remonte, stack. Escalier. Oh, bâtard! D'accord. Très bien. J'ai encore utilisé mon soin. Épée bâtarde. Ah, épée bâtarde. On est obligé de mettre les armes qui sont plus grosses que la mienne. Donc celle-là, elle est beaucoup plus grosse. Ah, je passe à 16% de poids en haut à droite. 16%. Alors en fait, c'est comme Dark Souls. Vous êtes trop fait pour manier cette arme à une main. Utilisez-la avec deux mains pour être plus efficace. Ah. Pourquoi je peux pas la... Attendez, pourquoi je peux pas la prendre? Comment on fait pour ça? Je comprends pas c'est quoi les stats là. Pourquoi je peux pas la prendre à une main? Ah bah c'est bon, c'est un espadon ça. On est bon là. On est bon. 95. Épée bâtarde. Ah attends, ok. Je crois que je l'ai, voilà. Non pas du tout. Y'a pas les stats des armes? En fait c'est juste ça. D'accord. Bon bah écoutez, on va la prendre à deux mains. Alors, attendez, parce que si je la prends une main, on va tester, ça fait quand même des dégâts. Je pense qu'à mon avis, ouais, tu t'es pas assez fort pour... Je vais voir si ça fait des dégâts quand même. Ah oui! Mais oui Joe! Dans un couloir, tu peux pas frapper? Ah oui, d'accord, je fais deux de dégâts quoi.
Ok. On a notre arme, les gars. Oh, bâtard. Oh, l'esquive. Allez, ça dégage. Oh, il y a du peuple partout. Des archers partout. On va d'abord aller battre ceux qui sont derrière. Ok, si je me cale là, il peut pas me toucher, je pense. On aggro lui. Hop, oh, on esquive. Ah. Ok, putain, par contre, j'ai plus d'endurance. Ok. Herbe de demi-lune, très bien. Est-ce que là, il faut que j'y aille ou pas? Ah, c'est compliqué de rentrer sans bouclier. C'est compliqué. Oh, il y a l'air d'avoir un petit boss là-bas. Mais ouais, c'est stylé. Même l'animation des marques, c'est stylé, ouais. En fait, ça sort un peu, ça fait un peu ragdoll. C'est genre, ils ont la physique et ils tombent un peu comme des pantins. Là-bas, il y a du beau monde. Attendez, qu'on regarde un peu quand même. C'est stylé. Hein. Ok, c'est très très classe. Plus d'endurance. Oh, il se soigne. Non mais ça va toi, le mec. Et l'arme qui part en plus, c'est stylé. Là c'est cool. Là on ça commence scout parce qu'il y a plein, on peut aller à plein d'endroits différents. Et on peut même descendre là. Oh putain, ça y est, ça, les gars, c'est parti. Erigo. Oh yes, c'est labyrinthique au souhait. C'est trop bien. Alors là. Bon, on rentre quand même avec le bouclier. Hein, même si on peut pas trop utiliser l'arme à une main. Bombe incendiaire. Why not? Est-ce qu'il y a un système de feu? Est-ce que je peux me reposer au feu? Mais qu'est-ce qu'ils font eux? C'est... Ah, ils sont trop cons! Ah, le jeu qui te montre que les trucs ça explose. Alors non, mais en fait moi j'ai pas envie du tout aller là en fait. Hein. J'ai pas eu tout envie d'aller là, j'ai surtout envie de me fighter contre le mec qui était au fond là-bas. Et JPP. On navigue entre les catapultes et là on va aller se fighter un peu. Ah, il y a une échelle là. Une échelle, mais pétez l'échelle. Ah, petite roulade. On pète tout le mobilier. Vais-le lui là-bas. Ah, attendez, il faut vérifier s'il y a personne qui est là-haut qui peut te tirer dessus. J'essaie pas de regarder sous ma jupe. Hein. Ok. Bonjour guerrier. On recommence ici? Tiens les losers! Tiens les losers! Ah, y'a le trou, j'aimerais bien faire aussi un de ces quatre. Ok, ça dégage. Là, y'avait du monde. Hein. Là, y'avait du monde. Ouais, on y est, c'est bon, on est sorti. Ok. Eh hey, putain, je commence à plus avoir de soins. Lanceur de grenade. Putain, il m'a explosé quoi. Et j'ai vraiment vu aucune opportunité où je pouvais le frapper. Là, franchement, cette arme là. Oh putain. Cette arme là. Contre lui là, sans bouclier, sans rien. Ça va être un enfer. Voilà, je vous le dis, ça va être un enfer. Oh. Oh là là, c'est l'enfer. Attendez. Ah oui, non, c'est bon, il n'y a pas la boule. Je
Je vais voir si je récupère mon endurance, enfin mon endurance, mon XP ou pas. Parce que logiquement là je suis mort, il doit avoir mon cadavre quelque part. Je veux savoir si c'est comme dans Dark Souls, est-ce que je récupère mon XP après être mort ou pas, ou c'est totalement la baise. Ok, lui sans bouclier. Herbe du pain au chocolat. Ça se régale dans le chat. Ah voilà, retrouver les âmes. Ok. Qu'est-ce que je fais? Ok. Oh putain, 24. Oh. Attendez. Est-ce que d'abord j'essaierai pas de trouver un raccourci? Parce que là, se retaper tout, ça va être chiant. On va essayer de retrouver un raccourci. Est-ce qu'il me suit ou pas? Non, il me suit pas. Ok. On va essayer de retrouver d'abord un raccourci. Toi, mon pote, tu me fais pas peur hein, par rapport à l'autre. Oui, Joe. L'endurance, bien sûr. On peut pas frapper sans endurance. Ok. Herbe de terril de lune, bien sûr. Est-ce que je peux tomber ou pas? Je suis pas sûr. Herbe de la demi-lune. Hey, y'a moyen que je tombe. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Je sais pas. Je sais pas si c'est une bonne idée. Après, je peux parer, moi. Je peux parer avec mon arme. Hein. Parce que je dis ça, mais je peux parer avec mon arme. Hein. Où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on va par là? Y'a par ici qu'on peut aller. Il y a le trou je le sens pas. Oh, bah voilà. Ok, c'est bon, c'est, tout est bon. Examiner le corps. Carco en bois, arbalète légère. Ah, pas mal. Et on serait pas au-dessus de ce vieux bâtard? Le mec qui nous tirait dessus. Il est où? Et on était chez lui là. Ah putain, par contre je retourne en arrière. Il y a tout le peuple. Il y a du loot. Tant pis pour le loot. Eh ouais, voilà, putain. Ok. Bon, bah c'est pas mal, j'ai récupéré l'arbalète. On va pas l'utiliser, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Ok, donc... Hop, ça dégage. On va prendre le chemin à gauche. J'aimerais vraiment trouver un raccourci parce que... Histoire qu'on se retape à tout à chaque fois. Un mec là. Oh putain merde, ça pète hein. Ouais voilà. Oui oui oui. J'ai besoin de tricard. Ok, en vrai je peux mettre deux coups et après j'ai plus d'endurance. Donc ça va être compliqué hein. Oh putain mais c'est tellement cool. Lui il a de la portée. Ah je peux mettre. Ouais je peux mettre deux coups. Ok. Qu'est-ce que c'est ce truc? Ah. Bien le bonjour. Regardez mes marchandises. Yes, un marchand. Elles sont volées, mais peu importe. Mais peu n'importe. Achète un objet. Épée longue. Épée longue. Lance, bouclier, on s'en fout. Carreau, on s'en fout. Armure, on s'en fout. Très bien. Prenez votre... Oh là, il y a des explosifs à gogo.
Oh, j'entendais ça le bruit, hein. Ok. C'est vrai que j'ai une bonne portée, hein. Et là, je peux aller là aussi? Ah, je peux descendre là. Ok. Putain, j'ai zéro vitesse d'attaque. Hein. Bouclier de soldat, on s'en fout. Herbe du croissant de lune, encore une fois. Oh putain, les enfoirés. Ok. T'entends les archers en fait qui tirent de loin. Putain, j'ai des vibes qui reviennent de Dark Souls, c'est incroyable. Oh, oh bâtard. Attends, il m'a touché ou pas? Non, j'ai l'impression qu'on m'a touché. On va grimper là-haut, essayer de choper la dernière archer. Oh putain, il y a son pote. Ok, on va aggro lui d'abord. Ok, plus d'endurance. Ok. Oh, le fail. Non. Oh, j'ai eu trop peur. Oh, j'ai eu trop peur. Hop, esquive. Herbe de la lutte descendante. J'en peux plus. Ah non, attends, je suis en train de me gratter le nez. Attends, il est pas mort du coup lui. Il est mort? Ouais, il est mort. Il y avait une porte là-haut. Il y a trop... Franchement, je suis perdu. Il y avait combien... Je sais plus combien de portes. Peut-être que je suis pas obligé de prendre les soins que j'ai parce que j'ai pas beaucoup de vie, donc... Je vais peut-être prendre les autres. Genre... Peut-être pas les... Peut-être pas les croissants de lune, quoi, mais les demi-lunes. Me dis pas qu'il n'y a pas de doute là. Bien sûr, il y a toujours un truc. Je suis paumé. Je suis complètement paumé. Mais gros bâtard, toi. Tu crois que je t'avais pas vu? Tu crois que je te connais pas? Ah, mais c'est d'inconnu. Let's go, les gars, bien sûr. Du coup, si je comprends bien. Là j'ai plein d'âmes, là j'en ai 1917 en haut. Et lui qui court. Mon pote, si c'était toi, je prendrais un gros bouclier contre moi. Ok putain, j'ai plus d'endurance. J'ai plus d'endurance, bâtard. Ok, rien à gauche, à droite il y a un mur. Il y a encore un mec là-bas. Attends, c'est labyrinthique, hein. C'est labyrinthique. Je suis totalement perdu, quoi. Pourrais-je avoir un feu? Oh bâtard, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un guet-apens! Un guet-apens à l'aide! Ok, on va continuer les étables. Ah, qu'est-ce qu'il fait lui? Est-ce qu'il y a des attaques plongeantes? Je pense, ouais. Je pense. Gloire à Satan! Attendez, je peux peut-être faire un truc là. Attendez. Objet. Non. Ok, si je fais ça.
Nice one. Ah bah voilà, je vais prendre des herbes de la demi-lune là. Mais il y a du backstab aussi. Mais on me le dit pas ça, il y a du backstab. Ah non mais merde, j'utilise mon épée à une main. Oh, je t'ai sauvé la vie mon pote. Merci de m'avoir sauvé. Herbe du pain au chocolat. Je suis Ostrava de Boletaria. Bonjour Ostrava. Cela en témoignage de ma gratitude. T'as la voix qui résonne dans ton armure mon pote. Le télescope en laiton. Ok. Chelou le type. Chelou le type. Télescope en laiton permet de voir clairement au loin. Ah ça. Ça c'est pour le lore, ça me plaît ça. Ok. Not so bad. Nice, mettre des boules. Viens ici au Starbucks, je mets ton boule. Ah mais il est là. Ah mais oui, mais mon pote, tu es en train de te faire attaquer là. Qu'est-ce que t'es nul au Strava. Oh là là, j'ai pris une belle boulette dans la tête là. Donc les armes que je ramasse. Joe, attention à ta vie bien sûr. Les armes que je ramasse par terre, normalement je peux les casser, enfin les utiliser pour me regagner de l'XP en fait. Mais quand je meurs, je perds pas ces boules en fait, avant dans mon inventaire. Contrairement à l'XP que... Joe. Ouf. C'est pour ça que j'utilise jamais d'objets dans ce jeu. Yo Jack. C'est pour ça que j'utilise jamais d'objets dans ce jeu parce que c'est en temps réel qu'il faut les choisir et du coup à chaque fois je me perds dans les boutons. On va y arriver au Strava. Ça y est, je commence à prendre cher. Allez tiens, déconcentre. Faut pas se déconcentrer, c'est tout. C'est bien Ostrava. Tu fais du bon boulot. Éclat de pierre aiguisée, éclat de pierre solide. Il est parti où? Tu fais quoi Ostrava dans ta vie? Non ça va pour l'instant. Ouais le mec je l'ai fendu en deux. Non ça va pour l'instant. Bah en fait je sais pas, je suis ce mec là depuis tout à l'heure. J'ai l'impression qu'on va faire un petit bout de chemin ensemble. Oui Ostrava, je suis là. Et confiance. Hop 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 hop. Où tu vas Ostrava? Oui, je te suis, c'est bien ça. Alors du coup, donc ça c'était une zone secondaire. On est bien d'accord. Parce qu'au final je suis Keblo. Là je suis déjà allé. Ouais, ce mec, quoi. Sérieux, quoi. Je viens de sauver la vie, il est en train de zoner. Bon, allez, je te laisse, mon pote. Parce que si je t'attends, il y en a pour des heures. Donc là, hop, on revient en arrière. Ah oui, d'accord, donc c'est la zone que je viens de faire. Très bien. Tout ça, je l'ai fait. Est-ce que je suis allé par là? Ah mais attends, c'est d'où je viens en fait. Ah oui, là il y a le marchand. Là il y a le marchand ici, là. Ok, il y a du loot en bas et je sais pas comment faire pour y aller. Il y a du loot là-bas en bas. Saute. Ah oui, il y a moyen que je puisse sauter en plus. Ouais, putain, nice. Bien joué Vince. Cette mécanique-là, je la connais pas. Oh, bac du voleur. Nice, anneau. Rend moins repérable par les ennemis. Allez, on équipe, hein. Ah, bah c'est là où il y avait mon pote en fait. C'est là où il y avait Ostrava. Ok. J'aurais pu passer directement par là. Merde. Ton père, c'est un voleur. Ah putain, il m'a fait peur.
Mais qu'est-ce que tu fous, Strava? T'es encore en train de zoner? Et là, je peux passer aussi? Non, je peux pas passer. Bon. T'as bien raison. T'as bien raison de crier. On a toujours pas trouvé de raccourci. Ah, ça y est, les allergies qui reviennent. Donc là, il nous reste ce chemin-là. Et l'autre, toujours un qu'on garde en mémoire, mais on va d'abord essayer de trouver un raccourci. Pour pas se faire fumer et faire aller-retour pour rien à chaque fois. Eux, ils vont se faire cramer. Bon, en ce moment, ouais, c'est l'enfer les allergies. Et encore, moi, je suis. C'est moins pire que toi, mais. Ouverture à gauche. Ouverture à... Oh! Oh le bâtard! Ok, j'ai cassé un truc. Ok. Alors j'ai cassé deux chaînes. Je sais pas à quoi ça servit. Ah, j'ai libéré. Il devait y avoir deux mecs qui étaient pendus. Il devait y avoir deux mecs accrochés aux chaînes. Attendez, parce que... Ah non, mais il faut descendre. Vous êtes trop mignons. Vous êtes trop mignons, le chat. Ok, full roulade. Allez, venez, bande de noobs. Quelle bande de noobs. Ah ok, d'accord, donc là j'ai... Ok. En fait j'ai genre trop nul quoi. Hop. Éclatage de cerveau. Attends, attaque plongeante. Attaque plongeante. Ah non, ça a pas marché. Ok, l'attaque plongeante n'a pas fonctionné. Oh, est-ce que ce serait pas un raccourci? Tirez le levier. Est-ce que ce serait pas un raccourci, mes amis? Bague collante. Vieille épice, vieille botte rapiécée, gants sharpie, haillon. Colis fiché, cheveux en jade. Donc là, on est revenu au début. C'est le principe d'un raccourci. Ouah, bâtard! C'est pas avec toi que je vais montrer mon compteur de mort, je te le dis. Je vais vérifier un truc en fait. Maintenant que j'ai récupéré des âmes, est-ce que je peux pas débloquer ma vie là? Parce que j'aime pas trop cette histoire moi de on m'enlève la moitié de ma vie comme ça sans me prévenir. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Ah, y'a un mec là. Ah, bah c'est le pote que j'ai sauvé. Bah qu'est-ce que tu fous là? Avant le fléau, Boletaria brillait de mille feux. Le roi, ses sujets et ses chevaliers étaient des gens simples. Mais des gens fidèles et compatissants. Pour mes études, j'ai passé du temps dans les pays civilisés du sud, mais aucun d'eux ne surplaint Boletaria dans mon cœur. Mais regardez ce que nous sommes devenus. Ah! C'est donc ton père qui a foutu le Zbeul? Ah mais pardon, mais en fait quand je fais une roulade sur les PNJ, ils croient que je l'attaque. Je suis désolé les gars. En fait, je voudrais regagner ma vie, c'est possible? Comment on fait? Faut que j'invoque quelque chose?
Faut que je fasse quelque chose là. On s'est pas baladé dans le Nexus. Ah, il y a la barre de. Une barre rouge près de mon épée. Ok, ça je pense que c'est pour les dégâts. Bonjour vieux fou. J'aimerais bien augmenter mes dégâts. Améliorer une arme. Épée bâtarde. C'est ce que j'ai ? Ouais, c'est ce que j'ai. Ah, bah avec les éclats de pierre solide, je peux l'augmenter à 105. On comprend, hein. Vous n'avez pas les matériaux nécessaires. Ah oui, il m'en faut 4. Éclats de pierre solide 3 sur 4. Et j'en ai que... Ok, j'en ai que 3. Est-ce que je peux pas lui acheter des pierres à lui ? Pierre aiguisée, restaure la durabilité de l'arme, épice fraîche, restaure une petite quantité de PM. Ok, on, Osef. Ok, il a rien du tout. très bien, j'avais récupéré de nouveaux équipements. Mais ils sont encore plus dégueulasses que les miens. Et j'ai récupéré une bague. Bague collante réduit la perte de PV sous forme d'âme. Ah, je suis sous forme d'âme! D'accord, là je suis sous forme d'âme. Ok, ça, ça se jette. Alors, ça restaure, mais ça restaure pas entièrement, hein, d'accord. Hein. Octroi des âmes, octroi des âmes. Comment je fais pour... Il n'y a pas de... D'accord, donc là je suis sans âme. Et je peux rien faire pour... Bon. Écoutez, hein. On va aller se fighter comme ça contre l'autre, hein, mais bon. On sait comment ça va finir. Hein. Il va one-shot, hein. Non. Malheureusement. Malheureusement, il y a très peu de notices dans ce genre de jeu. Bon, après, j'ai gagné un peu de vie du coup en mettant l'anneau qui me permet d'avoir plus de vie quand je suis en mode âme. Mais ça, j'aimerais bien comprendre ce qui se passe. Oh là là. Oh là là. Alors ça raccourcit mais c'est l'enfer, hein. Oh yes, la térébenthine. Ah. Oh, j'ai plus d'endurance. Ok. Térébenthine. Térébenthine, je sais exactement ce que je vais faire. Est-ce que vous voyez venir ou pas la térébenthine? Ça permet de mettre du feu sur les armes. Et c'est exactement ce que je vais faire avec avec l'autre. Tu t'enflammes bien sûr. Ouais, c'est... Tu vois, c'est genre de raccourci ou quand t'as la flemme de... quand t'as envie d'aller vite, t'es sûr que tu meurs là. T'essaies d'aller trop vite et en fait tu te fais éclater. On va se mettre un peu de térébenthine. Térébenthine, j'en ai que 3. C'est pas ouf. Attendez, je peux... Ah, il m'a vu ce bâtard. Ouais, bah oui. Je mets quand même des belles bastos, hein, mais... T'as plus la flamme que la flamme.
Bah en fait, mine de rien, j'ai un peu la flemme. Eh bien ici, Jacques. Le petit pas de côté. Térébenthine. On a d'huile. Térébenthine. Ouais, tac. On a d'huile. On peut parer. Oh mais attendez. Non je peux pas. Allez viens toi, j'ai ma térébenthine. Oh bat. Une heure trente à refaire ton layout. Mais ouais, mais moi ça m'a pris l'après-midi. Hein. Ça m'a vraiment repris l'après-midi. Hein. J'ai perdu ma térébenthine. Putain le raccourci des enfers. Faut pas que je reste dans le couloir en fait contre lui. Attendez, est-ce que je peux passer ou pas? Ok, ça passe. Je pense que le premier je peux le passer aussi. Ah bâtard. Allez, c'est parti. C'est quand on perd patience là. Allez. Il faut pas que je meure parce que si je crève, je perds toute mon. Les âmes que j'avais accumulées tout à l'heure. Elles sont sur mon cadavre. Non, 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 non. Oh non, le heal, quelle bête. Ok. Là, ça commence à me plaire. Ça commence à avoir du challenge. Je fais pas beaucoup de dégâts. Je fais vraiment pas beaucoup de dégâts. Plus que 6 morts avant la roue. La roue des malus. Je vais essayer d'esquiver les... au moins jusqu'au deux derniers.
c'est parti. En plus, je gagne de l'XP. Ils tombent tous dans le trou. Ah, ça va vite, hein. Ça va vite, hein. Là, j'ai pas du tout stratégie contre lui, hein. Vraiment. Là, je vois pas comment faire contre lui. En fait, si, mais il faut que je sois patient, c'est tout. Non, non, attends, John. Regarde contre quoi je me bats là. Le mec il me one shot. Enfin, pas eux, hein. Allez, viens, mon pote. Ah, mais je sais. Le problème, c'est que j'ai très très peu d'endurance. Je me bats avec une main à deux armes. Je vais pas essayer de caler. Yo Kevin! Je vais voir si je peux pas lui caler d'avoir une petite go dans la chebou. Ah non! Oh, trompe et bouton! Oh non! Je me suis trompé de bouton! Ouais, c'est ce que je voulais faire, mais je me suis trompé de bouton. Attention, plus que 5 morts avant la roue des malus. La roue des malus, elle vous est bardi. Non mais je... Là pour le coup c'est my bad. Je me suis trompé d'objet et après je vais foncer dessus. T'as le raccourci, oh. Tu vois que c'est old school parce que dans Dark Souls ils sont quand même plus sympas les raccourcis. Oh my god! Oh my god! Hop! Allez, ça dégage! On va se prendre un peu de vie quand même. On sait jamais. J'ai perdu tout mon XP que j'ai gagné depuis le début. Voilà. Ça soit clair. Ouch. Est-ce que lui il vient ou pas? Ok, lui il vient. Non, il vient pas. Ok, parfait. On se gratte l'œil avant d'attaquer. Bah en fait il y a eu un sort de premier boss mais en fait c'est un truc scénarisé où t'étais je pense obligé de crever. Mais je sais pas. Alors attendez, si je prends ça descendante. Ah voilà. Croissant de lune, tac. Descendante, je crois que ça fait plus de vie. Et voilà, moi ce que je voulais faire c'était lui balancer des bombes en fait. Ok, alors faut pas que je me batte là. Faut que je laisse rentrer et que j'aille me casser de l'autre côté. Parce que là j'aime pas. Ok, on se barre et on va aller combattre là-bas. Ok, c'est bien la porte est là. Je suis pas bien. Alors qu'est-ce qu'il fait comme coup? Je
Dégage! Joe! Il va reprendre de la vie, ce bâtard. Okay. Il a repris de la vie. Oh le bâtard! Putain, ça donne pas de vie, ça. On y était, hein. Yo Kevin, la pente s'ouvre qu'à la fin du jeu, ok. Ouais, mais c'est pas grave, on va le buter quand même. On va le buter. Putain, j'étais pas trop mal. J'étais pas trop mal. Oh putain. En fait, le problème, c'est que je l'ai laissé se reprendre de la vie. Allez, c'est parti. Ouais, non, mais c'est ça. Mais en fait, en vrai, j'ai réussi à pas mal de fois le toucher. Enfin, je l'ai mis mid-life. Mais ouais, non, mais il faut pas qu'il regagne de la vie. Hein. Effectivement, si c'est un monstre qu'il faut battre plus tard, ça me rassure un peu. Allez, les deux bolos. Ouais, je peux farmer les boss, mais pff, si je commence à farmer maintenant. Allez, putain, mais il est lent lui. Oh, et en plus, il met des dégâts quoi. Après, le gros problème, c'est que j'ai plus de vie. Hein. Oh là là, qu'il est chiant. En vrai, j'ai zéro vie, hein. Mais sérieux, il me touche, lui. En fait, j'ai plus de vie. Attends, parce que là, ça m'inquiète. Parce que dans Dark Souls, t'as des potions, en fait. Oh, je l'ai pas vu venir. Ouais, alors en fait, en vrai, moi j'ai vraiment envie de battre. Mais je pense que vous avez peut-être marre que je l'affronte 20 fois d'affilée. Mais en vrai, par contre, faut que j'aille où? Parce que si c'est pas là-bas. Ouais, j'en ai plusieurs sortes, ouais. J'ai vu que j'en avais. Mais en fait, c'est juste que j'en avais épuisé une entière. On est d'accord que ça s'ouvre pas là. Pour moi, c'est par là qu'il faut aller. Hein. Ok, on esquive tout. Je sais pas comment j'ai pas fait pour pas prendre de dégâts là. Hein.
Ne me dis rien, Kevin. Hein. Je vais découvrir par moi-même. Allez, let's go. Mon pote, si tu fais que ça tout le temps. Oh putain, impossible. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que en fait, à chaque fois, quand je crois qu'il fait un coup, il me fonce dessus en me fracassant. Et en fait, il faut que je pars tout le temps en fait. Mais avec l'épée, je pense qu'elle va prendre cher mon épée. Hein. Ouais, c'est la première fois que j'y jouais. Ah, je suis deg, je pense qu'il faut que je les bute. Après ouais, je vais peut-être fermer leur térébenthine. Attendez, putain, le compteur de mort là. 9. Tout ça pour faire tourner l'arbre, exactement. Le problème c'est que j'ai plus de soins. Le problème c'est que si je peux pas bloquer, si je tombe sur la roue, je tombe sur le truc de blocage. Ça va être compliqué. Allez, venez les fous. Térébenthine. Yes. Bah je suis pas en terrain inconnu. Hein. J'ai fait déjà tous les souls. C'est juste que là je veux pas utiliser bouclier parce que je veux me battre avec une arme à deux mains. Putain, il me fait tellement peur ce Bob, ce monstre quoi. Plus, putain, j'ai toujours pas ma vie entière quoi, ça me gonfle. Oh bâtard. Blasphemous. Le gros problème en fait, c'est que je commence à plus avoir de vie quoi. Et je sais pas, y'a pas de popo là. Hein.
Je pense que je vais devoir le skip, hein, parce que j'ai plus de vie. Hein. Sans bouclier là, c'est compliqué. Hein. Ouais, je vais essayer de force ride le boss. J'essaie de faire le boss et parce que là sans bouclier c'est chaud. Par contre je sais pas où il faut aller quoi. C'est de l'aggro un peu loin. Attendez, parce que peut-être que je peux le backstab, non? C'est ce qu'on appelle la technique des lâches. Mais tout est permis dans ce jeu. Je suis désolé. Non mais c'est pas toi que je voulais battre, excuse-moi. À l'aide. À l'aide. Il me suit vraiment. Oh. Il m'a trop fait peur ce bâtard. Ok, là il rigole pas. Ah mais il a repris de la vie ce bâtard. Ah oui d'accord, tu vas me... ok. Comme ça que je peux pas le back. Alors là du coup, ça c'est fermé. J'ai l'impression qu'on va se retrouver face à face, mon pote. Ah putain. Donc là c'est d'où je viens là. Je pensais qu'il m'aurait pas vu. Ah ouais d'accord ouais, ok, faut que je le bute absolument. Bon, je pense que ça va pas être possible. Allez, heal-toi. Allez, heal-toi, mon pote. Allez! La technique du lâche, bien sûr. Herbe de pleine lune. Tout ça pour de l'herbe, mon pote. On va pouvoir commencer à jouer. Ok. Donc lui, la porte était fermée.
Putain, je sais pas où il faut aller. Là, j'y suis allé. Non, là, j'y suis allé. Ah, je peux pas y aller là. Ah, je peux pas escalader. Attends, lui, je vais buter parce qu'il faut que je cherche où je vais. Parce que là, à gauche, j'y suis allé. Enfin trop cool, à droite dans le trou dans le mur. Ah, pierre aiguisée, trop cool. À droite dans le trou dans le mur. Ok, alright. Ah non mais attends, tu parles pas de ça toi à mon avis. Parce qu'à droite dans le trou dans le mur, je pense que j'y suis allé. Ça, j'y suis allé. Hein. Là, j'y suis déjà allé. Là. Normalement, je crois qu'il y a un mec là. Voilà. Là, j'y suis déjà allé. On redescend en bas. Là c'est où il y a eu la percée de la boule. Est-ce que je peux pas descendre par là? Merde, putain, je me suis vu là. On est déjà allé. Et on revient ici. Tout à gauche, j'y suis allé. Tout là, je l'ai fait. Ouais, tout ça, je l'ai fait. Et là, c'est le raccourci. Alors, attends, j'ai. Non, on peut pas faire ça. J'ai peut-être loupé un truc ici, du coup. Allez, lance la grenade. Qui c'est qui se bat en bas? Bah c'est toujours lui qui se bat. Il va crever. Là il y a le marchand. Je pense pas que ce soit là hein. Là-haut il y a le mec. Ah putain, le heal, quel con. Ils sont où, bordel? Thank you.
Ah putain, c'est là. Ouais, bien vu, j'ai complètement zappé ça. Ok. Ok, donc là, ok, très bien. What? Putain, j'ai eu trop de chat. Énorme. Oh putain, il y a un dragon là-bas. Ok, si c'est dragon que je first try, c'est la mort. En plus, on arrive sur la roue des malus. Épée brisée, Osef. Lotus de soldat, c'est quoi ça? Lotus de soldat, soigne et saignement. Ah, ok. Et si c'est vraiment, si c'est dragon, c'est pas de bol. Hein. Après, c'est le premier boss, hein. Normalement, il doit pas être trop compliqué. Hein. Mais il y a la roue des malus qui arrive. Hein. Donc les petites vertes comme ça, herbe du croissant ligne, ça régène pas masse. Ça aurait été bien que j'équipe aussi. Hein. Ok. J'entends des bruits chelous partout là. Oh mon dieu, comme c'est classe. Le pont. Le pont, j'y vais pas. Hein. Alors. Ouais. 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 Je sais pas quoi faire. Là, il y a des chances que le dragon il m'éclate. Hein. Là, le dragon il va cracher, c'est sûr. Oui. Ok. Très bien. Très bien. C'est compris, c'est chasse gardée. Coupe plus la queue comme dans le 1. Non. Il est beaucoup plus énervé que le 1. Très Dark Soul 1. Très bien, j'ai compris le message. Ok. Ah mais il y a un dragon aussi là. Oh mon dieu, attends, c'est quoi ça? La roue des malus. La roue des malus arrive tout de suite. La roue des malus, messieurs, dames. Et c'est pour maintenant, car nous sommes arrivés à 10 morts. La roue des malus, avec tout de suite. Ah non, merde. Où est-ce qu'elle est, ma roue? Avec tout de suite, pour la roue des malus, nous avons droit à, pendant 10 minutes, de... Attention, tout de suite... Naked, ouf. Merci beaucoup. Ok, pendant 10 minutes de naked. Alors attendez, tac. Donc je vais me foutre à Walp. Pendant 10 minutes. C'est bien ça. Je préfère ça que pas de heal. Et no heal. Non, c'est pas no heal. C'est naked, tac. Naked pendant 10 minutes, c'est parti. Ah, attendez, vite, faut que j'enlève mon truc. Comment on enlève?
Ah oui. Et c'est parti, il a mon caleçon. Let's go. Mais en fait, alors c'est cool ce chemin. Hein. Mais il y a deux chemins où il y a les dragons qui m'attaquent, quoi. La roue de tous les plaisirs. Ok. Ça sert à rien d'avoir des habits hein, si t'esquives toutes les attaques. Hop. Je suis explosé de rire. Ah merde, attends, j'ai pas enlevé la roue. J'ai pas enlevé la roue. Ok, ça dégage. Tac. Ok. Donc on sait où on va. Lui. Hop, on l'aggro. Attends, s'il te plaît, lance la grenade, j'aimerais bien avancer vite. Merci bien, mon ami. Oh, je prends des dégâts de feu avec ça, c'est une blague. Et en plus, il me bloque le chemin, ce tabac. Bah, tu vois, je pensais pas qu'on aurait besoin de la roue ce soir. Hein. J'étais un petit peu trop sûr de moi. En même temps, le boss, enfin le. Le mec vient de se frapper là. Quelle joie. Ok, ça esquive. Putain, j'arrive pas à lire le chat. Ok, hop. Alors, on refait le coup des roues. Hein. Oh le bâtard! Ah non, c'est fini les roues? À l'aide! Non, y a pas sans armes. En fait, le truc, il faut que ce soit un truc qui soit faisable. Parce que si je fais sans armes contre un boss, c'est 10 minutes où je sais que je vais crever. Et déjà, rien que contre le mob de tout à l'heure, là, je suis mort sans cesse. Déjà que je joue au jeu sans bouclier là. C'est déjà un enfer. Ouais, y a le chrono pour le naked. Ah ouais, j'ai passé du temps cet après-midi. Hein. Bon les amis, qu'est-ce qu'on fait là? Parce que pour le coup, tout droit, il y a des dragons. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là eux? Vous allez me laisser tranquille. Hop, le backstab. En plus, oui, c'est Allo ces chiens qui fait le. Qui fait le. Voilà quoi, la roue. Bon, le dragon. Bon, ok, là j'ai pas. Là j'ai pas. Non, c'est pas un Dark Souls en fait. C'est le premier jeu qu'ils ont fait, ça a aucun rapport avec Dark Souls. Ok. Ah oui, d'accord, ok, il faut juste que je me casse. Oh putain, il me fait trop peur, il est où? En fait, j'aurais bien récupéré mes âmes, là. J'aurais bien récupéré mes âmes. Ah, attends, c'est que du loot? Éclat d'archipierre. C'est quoi, ça, éclat d'archipierre? Attends, c'est que du loot? Putain, c'est une blague. Renvoi au Nexus, super. Ah ouais, là, je suis heureux d'avoir gratté ça. Ah, oh, c'est un vrai plaisir. Un vrai plaisir. Je retrouve vraiment ma sensation de Dark Souls 1 quand j'ai commencé. Ok. Ok, je sais pas quoi faire. Ah! Attendez. Je peux pas escalader ça? Non, je peux pas escalader ça.
Ils vivent de quoi les gens qui attendent là-bas? C'est quoi, sur le pont? Du coup, le Naked il sert pas grand-chose là, hein, je vous avoue. Mais attends, mais là je peux pas y aller. Y'a que du loot, putain, mais. C'est exactement comme dans Dark Souls, je commence à flipper ma race. Quoi qu'il se passe, je pensais vraiment pas retrouver cette sensation. C'est fou, je sais pas ce que je... J'arrive pas à... Ah mais en vrai j'ai le temps. Attendez, je sais ce que je vais faire. J'ai une idée. Ok, attends, vas-y, fais le feu, fais le feu. Fais le feu le dragon. Fais le feu dragon. Non, non, reviens, 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 reviens. Dragon, fais le feu. Olé. Je voudrais plus se toucher, mais j'ai envie de me balader, mais... Attends, de quoi tu parles? Ouais, non, mais c'est... Bah, en fait, c'est... Oui. Je comprends, John. Attends, par contre, je suis en train de... Allez, viens. Allez, viens, dragon. Mets le feu, dragon. On se casse. Ok, j'ai une idée. J'ai une idée. J'ai une idée. Est-ce que sous le caleçon, c'est rose? Non. J'aurais pu faire un caleçon rose, effectivement. Regardez, je sais ce que je vais faire. Non, mais j'ai le sexe qui est complètement en lumière. Voilà. Ok, c'est parti. Et là, ça part en speedrun. Là, ça part en speedrun. Il n'y a plus personne sur le pont. Et est-ce que vous avez capté que le temps que le dragon aille, qu'il fasse ses allers-retours, en fait, j'ai le temps de passer. Par contre, on a un double archer. On a une double esquive. Ok, on est passé. Oh, comme il est vénère. Comme il est vénère, en fait. Ok. Par contre, je pense que en off, j'irai récupérer le loot qui est là-bas. Ça, c'est le genre de truc que j'aime bien faire. Mais si je crève, ça va être chiant pour vous. On a un mécanisme. C'est pour les fameuses douches, bien sûr. Les fameuses douches. Naked, les gars, il reste plus qu'une minute. Je suis désolé, c'est, ça arrive pile poil. Oh, le raccourci, non. Ça, les gars. Ouverture de la porte principale. Ça sent le boss. Désolé, hein, je te backstab, mon pote. Pendant le backstab, je suis invincible. J'aime pas ces couloirs là. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, oh, j'aurais pu le backstab. Très bien. Mais me souviens plus de la réponse, mais il y a déjà eu un boss. En fait, il y a eu un boss, mais c'était pas vraiment un boss, c'était plus un Naked Over. C'est parti les gars, Naked Over. Tac, on se rhabille. Merci Vincent. Tac, tac. En fait, c'était pas vraiment un boss, c'était plus un monstre géant qui t'attaque et qui te tue en un coup, et en fait, tu passes à la suite de l'histoire, quoi.
Mais qu'est-ce que vous foutez derrière les caisses, vous? Putain, mais c'est pas possible. Là, je suis vraiment sur une bonne vibes Dark Souls. Hein. Vraiment, là, je me chie dessus à tout moment. J'étais parti confiant. Mais là, c'est la peur qui me prend au trip. Voilà, je vous le dis. C'est quoi ce bouclier? Oh putain, c'est quoi cette merde encore? Mais c'est quoi cette merde? Putain, mais le jeu me laissera donc jamais tranquille. Attention, petite porte. Oh, du loot. Ça me plaît, loot. Âme de héros inconnu. Et là, on est au-dessus du pont. Attends, c'est quoi ce pont? Ah, c'est l'entrée. Et là-bas, il y a le boss, c'est sûr. Oh non. Ouais, voilà. On est d'accord. Éclat de pierre aiguisée. Ah, yeah, je vais pouvoir améliorer mon arme. On va retourner Nexus et améliorer son arme. Mais qu'est-ce que c'est que ces merdes? La caméra de qualité. Mais fous-moi la paix, bordel! Herbe de demi-lune. Hop. Ok, avant le boss. Petit pipi. Petit pipi s'impose. Ok, il faut... là il s'agit de pas crever sur le retour du Nexus. On va aller améliorer son arme. J'ai toujours pas compris comment on faisait pour augmenter les stats. Là ça aurait été cool d'avoir un peu plus d'endurance. Il s'en frappait plus avec mon épée à deux mains. Et ben dis donc, c'était pas évident. Moi qui faisais beau, je venais de finir Sekiro, machin, compagnie. J'ai fait Dark Souls 1, Dark Souls 3. Putain. Je reprends un peu mes esprits. Hein. Je peux vous forger des... Oui, forge-moi. Améliorer une arme. L'épée bâtarde. 105 de dégâts. Allez, c'est parti. Je peux ou pas? Mais je peux pas encore? Ah non, c'est éclat de pierre solide. Et moi, j'ai que des éclats de pierre de merde. Ah, j'ai ça, moi. J'ai des pierres aiguisées, là. Mais qui en veut des pierres aiguisées, là? Dans quel monde on vit? Est-ce que tu peux... Non, attends, est-ce que tu peux la réparer, gros? Non, je pense pas qu'on peut. Attends, lui, il fait quoi déjà? Organiser la réserve. Je vous souhaite bonne chance. Je voudrais augmenter mes stats. Toi, statue, augmente mes stats. Mais où est donc l'augmenteur de stats? Il doit se cacher par là, c'est sûr. Oh le bâtard. Putain, j'ai 4000 dés. Attends, je peux pas stocker mes épées. Ah, oh, si je peux stocker mes âmes, c'est la folie. Organiser la réserve. Est-ce que je peux prendre mes âmes? Putain, j'ai 4000 d'âmes, je sais pas quoi en faire. Je vous souhaite bonne chance. Ah, je peux peut-être acheter des soins avec. Je peux vous forger des armes. Acheter objet. Ah, je peux acheter des soins. Je peux acheter des soins, mais bon, en fait, le problème, c'est que si je crève... Ah, mais remarque, je suis au boss. Au boss, je pourrais toujours récupérer mes âmes avant de... Ok. Je me TP. Petit pipi. Et let's go pour le boss. J'arrive.
Allez, c'est parti. Je pense qu'après le boss, j'arrêterai. Parce que je suis vraiment crevé. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Et comme ça, en plus, demain, on va jouer toute la journée. Donc. Bon, le boss, il m'a envoyé une bonne lance dans la gueule, là, tout à l'heure, dans la gueule, là. Putain. Allez, let's go. Putain, en plus, j'ai pas de bouclier, quel enfer. Oh, c'est quoi cette merde? On commence vraiment par ça là? Oh putain. Ah, quel enfer! Je sais pas. Là j'ai pas. Ah, ils sont tous en train de tomber. Ok, ils sont en train de tomber. Oh merde, putain. Ok. On n'est pas pressé. Ah, oh, bâtard! Ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'ils revivent ou pas. Oh yes, éclat de pierre solide, on va pas augmenter l'épée après. Je suis un peu deg parce que j'ai trop nul ce boss. Ah, John, ton message est censuré. Je peux pas le censurer là. Ok, là. Qu'est-ce qu'ils font là? J'ai mis 24 de dégâts au boss. De dégâts, très bien. Je pense qu'il faut d'abord tuer son cœur. Est-ce que Demon's Souls c'est un jeu à phase? Est-ce que le boss a plusieurs phases? Là on a commencé à bien l'entamer. Salut Topiro, bienvenue dans le stream du sel. D'endurance. Il commence à bien tatatiner. Oh le bat.
Ah, s'il y a trois phases, ça va être long. Mais qu'est-ce que vous faites, vous? Les phalanges de caca. Attends, c'est pas fini, hein. Qu'est-ce qu'il était nul. Il était trop nul. Oh là là. Putain, bah bien joué à ceux qui avaient parié en moi. Bah, franchement, commencer par un boss comme ça, je suis déçu, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'il y avait strictement rien. C'est strictement rien, il fallait juste attendre, quoi. Oh, je suis déçu. Je suis vraiment déçu. Mais de toute façon, il y aura des first try sur tous les boss. Hein. Sachant qu'il y en aura forcément, je pourrais pas le faire. Choisir le résultat de la prédiction. Du coup, choisir la réponse. Et c'est le oui qui l'emporte, bien sûr. Terminer la prédiction. Eh ben, je suis désolé pour les perdants. Je suis même moi déçu. Boss Kakamu, ouais. Putain, quel enfer. Bon, on en va. Normalement, voilà, j'ai gagné l'âme. Du coup, je suis redevenu humain. Âme de démon de plomb. Âme de démon de plomb. Âme de la phalange. Utiliser non. On peut pas voir ce que c'est le détail. Ah oui. Non, on peut pas, ok. Et bah écoutez, on va aller au Nexus. Hein. Dab du first try. Spray, spray. Spray, spray, spray. Qui était nul ce boss. Putain, alors qu'on a galéré contre un mob tout simple. Enfin, tout simple. Contre un mob classique, je veux dire. Ah, du lore. Qui c'est ça? Ah, elle a de la cire sur les yeux. Sentinelle vous attend là-haut. Topiro, tu sais très bien que je peux pas le dire en live, ça. La sentinelle vous expliquera le sens du Nexus. Ah, moi je veux d'XP là. Ok. T'es qui toi? La sentinelle vous explique. Ok, bon bah let's go. Je vais essayer de prendre de l'XP. Et après je pense que je vais arrêter. Alors le problème c'est que j'ai à peine streamé 2 heures, j'en peux plus déjà. Putain, je suis full vie. Incroyable. Elles sont où la sentinelle? Ouais, demain ça va être incroyable. Attends, mais franchement j'ai galéré contre un mob. Et ce boss il était nul à chier, quoi. Excusez-moi la sentinelle. Ah non, c'est tout là-haut. Le Nexus, je pense qu'il y a des trucs à looter. Hein. Il faut qu'on aille vérifier. On ira se balader demain. Bah avec plaisir, Stéphanie. Demain, grosse journée, ouais. Demain, là, c'est la journée du sel. Oh, stylèche. Ouais, c'est pour ça que je vais pas trop streamer demain. Parce que demain, ça va être costaud. Putain, mais c'est tellement beau.
Ah, il y a du loot. Vous l'avez vu, le loot. Elles sont où, les sentinelles? Ouais, c'est vraiment très classe. Alors, par contre, la sentinelle... c'est-à-dire... Parce que là, je suis tout en haut, déjà. Hein. Là, je peux que redescendre. À moins qu'il faut y aller par là. Ah non, là, je peux remonter encore. My bad, my bad. C'est très très joli. Petite question. Ah ouais, ok. C'est bien ce que je pensais. Il y a un mode photo. Et encore là, je suis en mode performance. Hein. Je sais pas si je peux changer les paramètres. Mais je suis en mode performance, donc ça veut dire que c'est pas aussi joli que ça devrait l'être. On va tester le mode cinématique pour voir un peu si ça... Oh putain, ça lag. Oh putain, ça... Oh, tu t'es pris... Là, je me suis pris un gros coup de FPS. Hein. Ouf. Ah mais je sais pas si c'est si c'est jouable comme ça quoi. Mais c'est déjà très joli. Alors par contre les sentinelles là. J'ai 7000 XP à dépenser là, je voudrais le mettre en force s'il vous plaît. Putain. Où est-ce qu'il faut aller bordel? D'autre côté? Ouais, je vais aller voir d'autre côté. Ah ouais mais d'autre côté. Attends. De l'autre côté, c'est les escaliers qui descendent, je crois, non? Ouais. Statue à l'envers, ok. On va aller récupérer le loot déjà. Pierre Dieu éphémère. À utiliser sous forme d'âme pour ressusciter. Ah! Nice! C'est quand t'es en forme d'âme, tu peux redevenir humain avec ça. Ok. Ouais, je tourne en rond là. À moins que ce soit un de ces mecs là. Ah! Ah! À l'aide! À l'aide! À l'aide! Quelle est donc cette chose? On attendait votre présence, fléau des démons. Oui, petite chose. Je fais partie des sentinelles. Gardien du processus de la réalité. J'aimerais vous raconter une histoire. Je suis pas chaud là, j'aimerais bien dépenser mon XP. Affronter les démons. Ah. Il y a très longtemps, une loi bienveillante régnait sur le monde grâce aux arts de l'âme. Jusqu'à ce qu'une soif de pouvoir entraîne le réveil de l'ancien. C'est alors qu'un brouillard funeste fondit sur les terres, menaçant le monde de périr sous le joug des démons. Par chance, nous parvînmes à replonger l'ancien dans son long sommeil. Mais nous avions perdu d'indénombrables âmes et laissé au brouillard presque tout notre monde. Afin de réparer ce qu'il restait de nos terres, nous confiâmes à six chefs six précieuses archipierres. L'une au roi d'un pays petit, mais travailleur. Une autre au souverain d'un peuple souterrain. Une encore à la reine de la grande tour d'ivoire.
Ça sent tous les boss, ça. Une au chef des âmes perdues et infortunées. Une au chaman des ombres. C'est les anneaux, ouais, c'est ça. La tempête. C'est exactement ça. Aux immenses géants des terres du nord. Ah, je suis pas chaud. Les archipières furent placées dans les régions épargnées. Nous maintîmes l'ancien ici, sous le Nexus. Perdîmes les arts de l'âme. Nous devînmes alors les sentinelles, gardiens moitié vivants du tissu de la réalité. Hélas, les autres sentinelles ont rendu l'âme. Il ne reste que moi. Ah oui, t'es toute seule, ma grande. Les Horcrux. Faut détruire les Horcrux. Grâce au pouvoir des sentinelles, les 4 archipières scellées sont maintenant accessibles. Ok. Et je peux augmenter mon niveau sentinelle. C'est quoi les 4 machins là? Votre heure est venue. Vous devez replonger l'ancien dans le sommeil, puis faire en sorte qu'il ne revienne jamais. Mon épée est votre. Oui. Bien. Nous avons de la chance que vous soyez là. Allez-y. Éliminez tous les démons. Putain, je suis trop chaud. L'ancien, sans les démons et toutes leurs âmes, voudra un nouvel esclave et tentera de vous séduire. Ça, c'est la fin secondaire, ça. Merci, petit être. Attends, est-ce qu'il n'y a plus rien à dire? Mais alors, mon XP? Shit. Oh shit. Ah non, je regardais pas! On passe à 11. Merci. Le chat. Attendez, parce que du coup, j'ai 7000 âmes quand même. Hein. La mort la plus nulle, c'est un peu ça. Attendez. Parce que si j'ai perdu mes 7000 âmes. Donc j'ai les 4 pierres de je sais pas quoi qui sont libérées. Donc je pense que je peux aller faire les niveaux que je veux là, c'est ça? Putain, je suis mort où? Il y a du loot là. Hein. Ah putain, je suis mort là. Oh, vous avez vu le loot ou pas? Regardez, on va y aller au loot. Oh non! Il est là le loot! Il y a le loot à côté! Il y a le loot à côté! Il y a le loot à côté! Bon, je vais prendre le loot plus tard. Parce que là, on est en train d'améliorer la. La roue du malus. Je vais récupérer Je vais faire le loot plus tard. Je vais juste récupérer mon XP et voir ce que je peux faire avec. Ok. Les patates sont presque cuites. Elles sont presque cuites. Ok, je me dépêche. Je prends un raccourci. Allez, là, tu me donnes de l'XP ou pas, toi? Les pierres dimensionnelles relient temporairement les mondes parallèles. Pensez-y lorsque vous perdez votre enveloppe charnelle. La jeune fille en noir contrôle les âmes inhumaines. Ce pouvoir lui permet de venir en aide aux tueurs de démons. Qu'y a-t-il? Cherchez-vous le pouvoir des âmes? Recherchez le pouvoir des âmes. Bien sûr. Après. Allez, laissez ces âmes vagabondes. Âmes spirituelles. Essence de la vie.
Force. Endurance. Force, ça, en fait, force, il faut que je récupère une arme qui scale avec la force. De toute façon, j'ai fait un build force, donc à mon avis, je pense que les épées que je vais vouloir vont faire que de la force, parce que là, l'épée bâtarde. Putain, mais t'as pas le scaling? Ils te disent pas comment ça marche? Ah, voilà. Ok, donc là, ok. Non, ça c'est l'épée brisée, on s'en fout. L'épée bâtarde, voilà, je l'ai. Et donc en bas, dans les bonus attributs, on voit qu'est-ce qu'elle... Ah, mais je comprends, putain, j'ai capté. Ok. Attribut requis. Il me faut 18 en force. C'est pour ça que quand je la prends à une main, je galère. Je peux la prendre à deux mains, mais il faut 18 en force pour la prendre à une main. Voilà. Et bonus attributs, est-ce qu'elle en D et en E... Est-ce qu'elle est en D sur la force et en E sur la dextérité? Ça veut dire que plus j'augmente ma force, plus les dégâts vont augmenter pour cette épée. Mais c'est pas énorme parce que scaling en D, c'est pas ouf. En gros, un bon scaling d'armes, c'est à partir de C et B. Tu vois, par exemple, là, la massue, elle scale en C. Donc elle fait 75 de dégâts physiques plus 26 grâce à ma force. Et là, actuellement, j'ai 95 en attaque physique avec l'épée plus 11 en force. De toute façon... moi j'ai dit que je voulais rester sur les espadons, donc je vais rester sur ça. Donc j'ai augmenté ma force à 18. Et j'ai augmenté 2 points d'endurance, comme ça je pourrais frapper plus. Mais on va pas augmenter la vitalité, je suis déjà bien. Voilà. Ça me suffit. Et donc là maintenant on dégage. Non. Je fais... plus 21. Ouais, donc en fait, elle escale mieux que... Et maintenant, je peux la prendre à une main. Voilà. Et je peux frapper normal. Ok, voilà. Bah voilà. Bah c'était la découverte de Demon's Souls, j'espère que ça vous aura plu. Demain, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. On est à 12 au compteur des morts, dont 2 morts à la con. Tu peux l'appeler en épée, mais garde peut-être tes pierres aiguisées, non? Ah ouais, 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 ouais. Ouais. Mes pierres aiguisées. En fait, mes pierres aiguisées, de toute façon, je vais les garder. Parce que pour l'épée bâtarde, il me faut des pierres solides. Eh bah, tant mieux que ça vous ait plu. Demain, full journée. C'est un peu compliqué, parce que par exemple. Enfin, c'est compliqué à stream parce que. Tout à l'heure contre le mob, j'ai absolument envie de le buter, mais ça doit être chiant à regarder les allers-retours à la con, et surtout quand tu meurs en un coup, quoi. Mais c'est vrai que c'est le principe du jeu, quoi. Attention à vous. J'ai besoin. On a augmenté l'épée, elle fait maintenant... Attention, l'épée fait 105 plus 15. Pas mal. C'était quand même bien trouvé le truc pour le fumer. Ouais, carrément. Carrément, je pensais pas que ça marcherait, hein. Je pensais pas qu'il... Bon, en plus, c'est ce healer et tout, c'était l'enfer. Et du coup, maintenant, on peut parer. On a le bouclier, vu qu'on a, on a l'épée à une main. Parfait, putain, c'est bon ça. Ok. Sur ce. Sur ce, on va aller lancer un petit raid. Je sais pas sur qui. On va aller lancer un petit raid. Demain, rendez-vous entre 9h et 10h, je pense. Pour la début partie. J'essaie de... Ah bah attendez, il y a Crane qui est en train de live sur un nouveau roguelike qui a l'air très très cool. Qui s'appelle Loupero. Ça a l'air très très bien. Tac. Sur ce, merci beaucoup. À demain matin, du coup. Et le temps m'est bien, passez une bonne soirée. Et merci en tout cas de m'avoir suivi, c'était trop chouette. À demain, ciao ciao.
choix. En fait, je sais pas comment ça se passe. Retourner au camp, maintenir permet d'activer le retour automatique au feu de camp. Ça fait quoi? Oh, j'en garde que deux. Mais j'en ai pas beaucoup en fait. Mais attends, j'en avais pas 7 total. Ah non, c'était la run d'avant. Pas besoin d'être sur le camp. En vrai, je perds beaucoup, hein. Mais je garde 60%, pas. Et là, l'autre, je garde que 30%. C'est pas 100% sur le camp. La question, c'est est-ce que ce fight il passe ou pas? Je pense pas mourir quand même, j'ai une popo. Vous pensez que je meurs, vous? Ça passe? Allez, ça passe. J'ai pas regardé le bouclier 4. C'est peut-être mieux que 13% d'esquive. C'est vrai que j'ai pas regardé, t'as raison. Ça fait quand même 6 de def en plus.